Bon, allez, c'est parti. Transition. Bonsoir. Nous sommes vendredi soir, 28 avril. Il est 21 h. Ce soir, on va réinstaller. Enfin, on va installer, parce que il est tout neuf. Mon nouveau micro-serveur, fraîchement acheté pour mettre du Proxmox dessus. On va s'amuser avec de la virtualisation. Et on est combien? 1. Le 1, c'est peut-être moi. Bon. C'est pas grave. Donc, le micro-serveur en question. Alors, je vais. L'idée, c'est de remplacer celui avec lequel on a joué la dernière fois pour le Wake on LAN, c'est-à-dire le réveiller par le réseau. Donc, c'est grosse babasse. Voilà. Et là où c'est très rigolo, c'est que le nouveau, c'est ça. Et pourtant, bon, il y a 5 ans et demi d'écart entre les deux, mais on va dire que il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Je me suis amusé à faire un comparatif sur la page. Pourquoi vous entendez les clics? Bizarre ça. Donc entre le nouveau, qui est un Ryzen 5500U, et l'original, qui est un Pentium J4205. Bon, alors les caractéristiques, architecture, etc., c'est pas très grave. Voilà, là, ça commence à être intéressant. On voit qu'on a beaucoup plus de capacité de base, puisqu'on a 6 cœurs, 12 threads, alors qu'on n'en avait que 4, et pas de multithreading, donc vraiment que 4 cœurs. On a une fréquence maximale qui est beaucoup plus élevée. La partie graphique, vu que c'est pour de la virtualisation, ça m'intéresse pas trop. On est là-dessus. Pareil pour la vidéo, ça fait beaucoup de choses. Voilà, là c'est autre chose. On est sur un maximum de 32 Go de mémoire, sachant que là il est livré avec 16. Avec une grosse bande passante parce qu'on change de génération de mémoire. Par contre, il consomme un peu plus. Il peut consommer jusqu'à 25 watts. Et je peux quand même le descendre à 10 watts si je veux. Ça veut dire que derrière, la fréquence maximale, elle sera forcément plus faible. Et donc, bah voilà, comment on peut packer autant de trucs? Bah forcément, les transistors sont deux fois plus petits. Ça aide forcément. On a aussi un peu plus de jeux d'instructions avancés qui permettent d'être plus performants sur des calculs très lourds, des calculs très spécifiques. Voilà. Et donc effectivement, bah, le Pentium date de 2016, le Ryzen 5000 de 2021. Déjà 2 ans, hein, ça va vite. Donc ça donne pas mal de choux, de patates. Du coup, alors, normalement, je m'étais tout gardé. Oui. J'ai donc à disposition ma petite clé USB que j'ai achetée sur vos conseils cette semaine. J'ai ressorti le clavier pour travailler sur l'installation de base,
Parce qu'en vrai, on va voir Proxmox et donc un système d'exploitation qu'on appelle un hyperviseur qui va se gérer une fois installé via une interface web. Et donc, bah, on va. Alors, je vais faire un peu de place. Je vais saquer papy. Hop là, sur le canapé. Et donc, on va brancher le fameux petit nouveau sur le petit dongle HDMI pour la capture. Alors, je vais aussi. On a besoin de réseau. Réseau. Hop. Je vais y brancher le dongle pour le clavier. Et la clé USB sur laquelle démarrer. Clé USB que j'ai installée du coup sur que j'ai installé sur laquelle j'ai installé Ventoy qui permet de pouvoir stocker plusieurs images d'installation et de les sélectionner au démarrage. Sans plus attendre, on va y aller. On se met. Donc là, il y a tout, l'alimentation, la clé USB. Donc je sais pas si j'ai la longueur pour vous montrer. Si, ça va. Bon voilà, bon c'est un peu foutoir, hein, mais c'est pour. De toute façon, à la fin, il n'y aura plus que l'alimentation et le réseau. On a donc le réseau, le HDMI, l'alimentation, et devant le clavier et l'installation de Proxmox. Du coup, maintenant. Oh, bonsoir! Bonsoir, chère fille! Incroyable, j'ai du public. T'arrives pile poil au bon moment. On va démarrer le micro serveur. Alors je vais pousser pour mettre mon clavier. Hop, il est allumé. Alors, il me semble que c'est F7 pour démarrer. Je sais plus. J'avais fait le bourrin la dernière fois. Voilà, on est sous le BIOS. Alors par contre, je le vois. Je vais virer le mode studio, je vois trop petit. Voilà. Alors, tac, 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 boot. Boot option. USB, UEFI, disque 3, parfait. Du coup. Ah ben on fait un boot override, on va y aller tout de suite. Hop! Ventoy. Et dans Ventoy, j'ai quoi? Virtio, Proxmox. Ok. Bon. Il me semble avoir mis une ISO Debian aussi, c'est bizarre. On n'a pas trop besoin. C'est l'installation de Proxmox qui nous intéresse. Boot in normal. Bon, il est en normal, on verra bien ce que ça donne. Voilà, parfait. Advanced options. On a quoi? Install Proxmox, test memory. Non. Enfin, l'installation normale. L'installation est assez simple. Hein. Ça va démarrer un petit installeur graphique. Incroyable, il a chopé une adresse IP, dis donc. De 50 à 200, d'accord. Ok, bon. J'ai une souris qui marche. Alors, on a la licence. Blablabla, you accept. Forcément, de toute façon, si on n'accepte pas. Voilà. Pour information, la société qui chapeaute le développement et la publication, c'est une entreprise allemande. Voilà. Donc là, on est sur Proxmox VE, donc Virtual Environment. On veut installer sur le NVMe, tout à fait. Ouais, bon, je vais pas m'embêter avec le partitionnement.
Là, après tout, c'est pas pour quelque chose d'évoluer. Sachant que ça va être éteint 70-80% du temps. 80% du temps. Alors, on a quoi? Proxmox, ok. Installeur, ok. Keyboard layout. Donc on est en français, France-French, parfait. Hop. Ensuite, on a besoin du mot de passe. Pour le compte-route. Qu'est-ce que je vais mettre? Une portante alerte, notification. Alors le mot de passe, ouais, il s'affiche bien. Ok. L'adresse mail, on va pouvoir mettre autre chose. Password. Je vais en mettre un pas trop compliqué. Je vais juste vérifier un truc. Oui, ok. Il a bien pris le clavier AZERTY. Ça, pour le mot de passe, si on rate son coup, ça peut être mortel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis en train de bouger la souris alors qu'en fait. Oh. On a quoi? On va faire ça. Voilà. Hop. On est simple là-dessus. L'interface. De toute façon, on n'en a qu'une. Ah non, c'est vrai qu'il y a du Wi-Fi sur cet appareil-là. Effectivement. Adresse IP. Non, je vais pas lui mettre l'IP qu'il a eu par DHCP. Je vais faire un petit truc rapide. Hop. Il me faut mon autre clavier. Normalement. C'est quoi ça? De me faire un petit scan. Je suis en train de faire un petit scan pour voir ce que j'ai de dispo. Parce que on est pas... Comme d'habitude, hein. Installation 0. 0 prépa. Mais il me semble que je peux utiliser cette IP-là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tac, tac, tac. Un point six, ok. 1.38, 66, 254, c'est la box. Et du coup, 16. 16, c'est quoi? Skipping OS scan, pas de bol. Il y a beaucoup de ports qui ont l'air ouverts. Très surprenant. Bon, dans tous les cas, j'en ai pas. Pourquoi pas prendre le... Alors,
Je suis mauvais en réseau. Donc en fait, pour l'instant, tout est à plat. Sachant que c'est un micro-labo qui va pas être allumé souvent, j'ai pas envie de m'embêter à essayer de tout segmenter. Sachant que derrière, c'est toujours la Livebox qui gère le réseau chez moi. J'ai toujours pas mis en place. J'ai un boîtier PFSense qui me permettrait de commencer à faire des trucs un peu avancés. Mais j'ai pas encore. Je me suis pas encore décidé à faire des trucs trop compliqués. Donc je vais pas insister. DNS, oui, on va laisser Quad9 pour l'instant. Hop. Voilà. Ça, c'est. Attention, là, c'est l'IP de l'interface qui va nous servir à nous connecter sur l'interface web. C'est l'IP principale de l'autre Proxmox. Le fait est qu'après, une fois qu'il sera installé, je peux éventuellement créer un réseau interne à Proxmox où là, je lui définis. Le réseau 192, 168. Mais là, ce sera via l'interface. Automatically reboot after successful, oui. C'est à peu près tout ce qu'on a à savoir. Oh, j'ai le scroll à deux doigts, c'est rigolo. Allez, hop, on lance l'installation. Ça va aller vite. Ça va aller assez vite. Une installation de Debian hein, de toute façon, donc en fait, c'est il installe un Debian, il installe par-dessus toute la suite d'outils pour faire son travail d'hyperviseur. Il remplace aussi le noyau. Le noyau est beaucoup plus récent. Les versions embarquées pour la virtualisation QEMU notamment sont beaucoup plus récents aussi. Ça permet de supporter beaucoup plus de matériel. Et d'avoir un max de perf sur du matériel, notamment sur du matériel récent. Yeah. Je suis complètement éclaté, je suis en vacances, enfin. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je vais être absent pendant 3 semaines. J'ai plein de trucs à faire, j'ai plein de trucs à. J'ai plein d'idées, je sais pas dans quelle ordre les faire. Peut-être des trucs que je vais commencer à tester offline pendant les vacances. Peut-être grâce au labo, on verra. Bonsoir, Or. Alors, on arrive bientôt à la fin. Donc là, je l'ai pas dit, mais on vient de sulfater gentiment une installation de Windows 11. Bon, ce qui n'est pas très grave parce que j'en ai fait une copie avant, que je compte potentiellement utiliser sur le gros PC là. Donc il nous dit quoi? Reboot endpoint. Ok, donc là, il est en train de redémarrer. On va laisser finir de redémarrer. Ah oui, bah oui. Comment je fais? Ah, oui. Ah. Voilà. Débrancher la clé. Proxmox VE, parfait. Bon, 5 secondes. Changerai peut-être ça. J'aurais pas besoin d'attendre 5 secondes. Il a trouvé les volumes. Parfait. Et donc là, on arrive sur. Ah, j'ai des CPVE. Bon, bah tant pis. C'est vrai que j'ai pas changé le nom du truc. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On va passer sur. Hop, le navigateur. Pour vérifier. Alors, ça, c'est mon Proxmox à moi qui est sur Etzner. Et du coup, on avait dit 192. C'est pas le bon clavier. Gros malin. Le clavier devant moi, forcément, j'utilise pas le bon. Alors, il nous a dit HTTP 2.192.168.1. On a dit .4.
Il va râler parce que le certificat, oui. Pour l'instant, il fait rien. Oula! Thème sombre. Ok. J'ai pas prévu. On utilise le compte route et le mot de passe qu'on a défini, normalement. Et là, il va me dire qu'est-ce que c'est que ça? Non. Hop. J'ai tapé trop vite. Voilà, comme d'habitude. Non, pitié. Ne jamais enregistrer. Hop là, je zoome, sinon vous voyez rien. Alors, donc voilà, on arrive sur l'interface principale de Proxmox. On a différentes vues, serveur, pool, parce qu'on peut mettre plusieurs nœuds Proxmox en cluster, en grappe. On peut agréger le stockage, on peut via Ceph. Bon, il n'est même pas installé, mais ça, c'est pas grave. De toute façon, j'ai qu'un nœud, donc j'ai pas prévu de faire n'importe quoi. On a une fonction de backup intégrée, relativement basique, mais honnêtement, voilà, moi, ça m'a suffi jusqu'à maintenant. Proxmox propose aussi un outil plus avancé qui est le Proxmox Backup Server, où là, ça peut faire des choses plus avancées sur les machines. Pareil. Entre simplicité et flemme monumentale, je m'en suis passé. On a un système de firewall intégré. Alors ça, je m'en sers beaucoup sur Coruscant. Parce que c'est vraiment bien. La seule difficulté que j'ai, j'en parlerai plus tard, c'est que j'arrive pas à l'activer via Terraform. Donc c'est-à-dire que quand je déploie une machine, il faut que j'aille activer à la main le firewall. Pour réussir à faire quelque chose avec. Du coup, on va commencer. Je vais cliquer là-dessus. On va commencer par. On a quoi? On a des options. On a un shell, bulk action, non. On n'a pas un truc pour gérer les mises à jour ou ce genre de choses. MAC address, Farway, conlan. Je sais pas ce que c'est. Faudra quand même que je. Si, update. Alors, tac, tac, tac. Ah, mais oui! On a un truc là-dessus. Oui. Non, mais on veut désactiver. Comment on peut faire? Si je fais add, il fait quoi? Voilà, repository, no subscription, add. Donc là, j'ai le PVE, no sub. On va désactiver l'entreprise. Voilà. Là, on va faire un gros reload. Ça devrait aller mieux si je fais un gros refresh. Voilà, cette fois, ça râle plus. Donc là, il a trouvé pas mal de paquets à mettre à jour. Pas de beaucoup hein, mais on a pas mal de trucs. Bon, allez, allons-y, hein. Upgrade. Vas-y. Là, on a quoi? On a du noyau? Non, on a quoi? Libnss systemd, PVE, backup client, PVE firmware, le HA manager. Ah, on a le noyau quand même. Bon, on va faire un petit reboot. On va faire un petit reboot, on va pas s'embêter. Oui, il y a systemd qui a une mise à jour. Alors là, généralement, faut pas. Lui, faut pas hésiter à redémarrer pour qu'il soit pris en compte. Ce sera plus simple. Vous voyez, pour l'instant, on n'a même pas eu besoin de chercher à se connecter en ligne de commande ou quoi que ce soit. On va le faire après. Parce que on va regarder pour. Je voudrais récupérer le. Oula, j'y suis allé fort. Ouais, si. Mon template Rocky Linux 9 qui est là, que je vais exporter pour qu'on puisse après l'importer en PVE. Your system is up to date. Since you install Kernel, please consider rebooting. Ok. On va fermer. Et ben, on va faire.
Reboot. Voilà. Après tout. Stop all VM container. Oui, bon, ça, c'est vite fait. Voir un petit peu ce qui se... On va attendre un peu. Pour l'instant, il dit rien. Mais il répond plus. Donc c'est qu'a priori, on est pas mal, hein. Mais il a redémarré ou... Ouais, faut croire que oui. Ok. Surprenant. Il a commencé à graffer. On voit qu'on a tapé du 3 mégas. On a... Ok, bon, bah, a priori, il a fait son truc. Qu'est-ce qu'on a? Option. Oui, on avait vu ça. DNS, on a vu qu'on servirait de ça pour l'instant. Le fichier host, on n'y touche pas. Le réseau. Ah, c'est là où on parlait tout à l'heure, Jerfy. Si on voulait s'amuser à créer un réseau privé, entre guillemets, on pourrait le créer là. Donc je pourrais créer un bridge. Manifestement, il y a de l'Open vSwitch embarqué maintenant. Ok. Jamais fait, donc je vais pas. Mais là, on peut créer un nouveau bridge et je peux créer un nouveau réseau privé. Et où du coup, j'aurai des. Voilà. J'aurai des machines intérieures. On peut même après taper du VLAN. C'est pas ce qui me motive le plus. La partie certificat, pour l'instant, je vais pas trop y toucher. Parce qu'on n'a pas prévu de l'exposer. Donc en fait, on va pas pouvoir générer de certificat. Time, il est 21h28. Incroyable. Le journal, il nous dit coucou. Il a effectivement démarré. Firewall, on n'y touche pas. Niveau des disques, on voit, on a fait ça. Il nous a mis 1 giga de FI. 1 giga de système partition et tout le reste en NVM. D'accord. Ok. On voit qu'on a 3 LV. Dont 1 LVN SYN. D'accord. Oh, ça va m'emmerder ça en fait. Ça va m'emmerder très fort. Parce que là, il m'a tout mis en LVM, du coup. Si j'essaye d'importer mon template, bon, on va voir. Exportation. Alors, qu'est-ce que je, comment je peux faire? Est-ce que j'ai quelque chose là-dedans? Non, je peux pas faire autrement. J'ai pas une option. Backup, task history. Je crois que je vais pas échapper à la ligne de commande hein, pour la suite. Il y a de grandes chances. Ouais. Tiens, c'est pas bon ça. On va pas échapper à la ligne de commande. Alors. Alors. Évidemment, là j'ai rien. Là, j'ai rien non plus parce que les templates
Putain, je pourrais faire un ménage là-dedans. Ok. Bon, puis même le Debian, attends, en fait, ça sert à rien. Où est-ce que je vais trouver ça? Ok. Donc... Donc le disque est là. Par contre, j'ai pas le... Est-ce que je peux je vais lancer un backup. Si je lance un backup, après je peux exporter le backup. Alors, si je fais backup now, storage, il me code juste Exner. Bah allons-y. Snapshot, oui. Compression ZSTD, oui. Protected, je sais plus ce que c'est. Guest name, ok. On lance backup. Donc il a terminé. Alors. C'est ça. Oula, c'est d'une lenteur. Mes dumps sont là. Ok. Du coup, je veux. Si je veux récupérer, c'est le QEMU 1000. Il est là. Il est là. J'ai le ZST, le log et les notes. Je sais pas ce que c'est que les notes. Rookie 9 template. Bon, c'est juste le nom. Du coup, hop. On va faire ça, on va prendre ce fichier-là, je vais le récupérer en local, donc... deux points, bon, on est en... Hop, hop. Mode gros flemmard, du copier-coller de souris, bien comme il faut. Ouais, d'accord, j'allais dire. Ça me paraissait bizarre. Bon, ça va. Ça va être assez rapide. Ça va être assez rapide. Donc là, on est en train de rapatrier. Et ouais, vu qu'il m'a installé tout le PVE, j'ai un peu peur de pas pouvoir l'importer comme il faut. Parce que c'est pas le même format. De toute façon, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Du coup. Faire dans l'autre sens. Alors, ouais, peut-être me falloir une deux. Peut-être aller voir avant où on peut le ranger. 168. Point 1, point 4. Ok. C'est ça. Est-ce qu'on a quoi? Le slash, il a 94 gigs. Le boot est après. Et le PVE.
Je le vois pas le PVE data, c'est bizarre. Jusque là, ça va. Alors, j'ai fait quoi? Tac tac. Donc le swap qui a été configuré automatiquement. 8 gigas, ok. Le route, on a dit 96. Et là, il m'a configuré 390. Mais c'est pas monté, je le vois pas. C'est bizarre. Bon. Bon, de toute façon, faut qu'on importe. J'ai pas mis le progress. On va attendre un peu. Toute façon. Ouais, voilà. Ah bah il a fini. Ok. Ok. Et donc là, on a une option d'import ou pas maintenant? Server view. Data center, est-ce que je peux... Node. Pool view. Est-ce qu'on a une option dans l'interface ou pas? Non. Si je fais create VM, c'est forcément... Non. M'intéresse pas. Bulk migrate, shell, create CT. Non, c'est pas ce que je veux. Bon, et ben on va le faire. On est obligé de le faire encore en ligne de commande. Ah, dommage. Alors du coup, ça va être quoi? Ça va être PVE. Je me souviens plus. Je l'ai fait l'année dernière quand j'ai migré le serveur. Un peu en provisioning, un truc dans le genre. Il y a des chances. Il y a des chances, il y a des chances. Le problème, c'est que je vois pas. Ce qui me fait peur, c'est que c'est pas comme ça que le stockage est configuré chez. Sur mon serveur, parce que chez Etzner, j'ai dû installer un Debian très classique pour ensuite déjà en plus monter du raid. Et après, j'ai pas de LVM Syn. Et là, c'est ce que je vois. J'ai l'impression qu'en fait, il a créé un. Il a créé le LVM Syn. Ce qui m'embête, c'est que je sais pas si je peux le. Je peux le dégager. Est-ce que je tenterais pas de le dégager? Ce qui me permettrait du coup de grossir le. Ouais. Et je me demande si c'est pas ce que je vais faire. Je vais le déglinguer. Quoique je peux pour l'instant je peux me servir du LVM tout court. Je pense que j'ai la place. Mais
fait est que si je veux pouvoir créer plusieurs machines, vu qu'il prend le gros de l'espace, j'ai 100 gigas hein, sur le truc de base, donc ça va. Mais si je veux pouvoir exploiter tout l'espace, je pense que je vais être obligé de déglinguer le LVM Sin parce qu'il va m'emmerder. Je vais rester sur un mode un peu plus classique. Le fait d'avoir des vraies images, ça rend les VM un peu plus portables. Si on veut tenter de les garder pour learn, j'ai pas besoin d'apprendre. J'ai pas besoin d'apprendre parce que bah, le vieux Proxmox, il était en. Alors, pas celui-là, le tout premier, la toute première installation que j'ai faite, je l'avais gardé. Et quand j'ai voulu grossir le SSD, je m'y suis pas pris comme il faut. Parce que je connaissais pas le mode Sin Provisioning. Et du coup, j'ai à moitié flingué le LVM. Et je pouvais plus créer une nouvelle machine virtuelle parce qu'il considérait. Enfin, j'ai pas trop compris ce que j'ai fait. Mais j'ai grossi le volume. Il me disait que le volume était toujours la même taille. Et quand j'ai voulu déployer des trucs en plus, il voulait pas les prendre. C'est aussi pour ça que au-delà des problèmes matériels que j'avais, j'ai fini par le foutre à par laisser tomber. C'est pour ça que j'ai tout supprimé dessus et que j'ai que mon rebond SSH. Oui, non, bah, c'est moi, hein, à un moment donné. Surtout quand c'est des trucs perso, j'ai une flemme dès que ça commence à déconner. Donc ouais, allez, on va le tej. Je fais le destroy. Enter the ID to confirm. PV data. Cleanup disk storage configuration. Y'a que dalle. Volume group PVE still in use. Tout à fait. Est-ce qu'il reste là-dedans? Ok. Donc là, on voit qu'on a plein de place. Cool. Du coup, ça, je peux pas le. On peut pas le modifier d'ici pour le grossir. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Alors, ce qui m'intéressait, ça va pas être des PVE, ça va être QM. QM import, un truc dans le genre. Alors non, c'est pas un OVF. Bah restore. Ça va être QM restore. Enable to parse option. Restore archive VM ID. Bah voilà, hein, écoute. Restore archive local backup. L'ID, on va mettre 1000. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'il a pas aimé? Il a dit quoi? Content type image is not available on storage local. Oh. Alors, local. Oui, donc je peux la supprimer déjà. On va recommencer. Hop. Je sais pourquoi il y a un délire avec le stockage où il faut choisir ce qu'on peut mettre dessus. Où est-ce qu'on peut. Ça se configure où? Je me souviens plus. Disque. Non, pas le shell. Pas besoin. C'est pas là, je me souviens, il y a un truc avec une option. Ouais, ils disent que certainement pas.
Mince. J'arrive plus à me souvenir où il y avait une vue qui permettait de voir peut-être data center directement. Là, voilà. Edit. Et là, je peux cocher disque à image, container, snippet. On va tout mettre. Préallocation. On n'y touche pas. Tac, tac, tac. Backup, on va pas y toucher pour l'instant. Là, on a OK partout. Là, cette fois, on peut tout faire. OK, on va relancer, du coup, notre QM Restore. Et voilà. Hop, convert to template. OK. Donc là, si on revient sur... Ceci dit, là, on a une vue là. On a notre Rocky template. Ok, parfait. Donc ça, c'est le truc de base. Ça déjà. Voilà. Maintenant, il me faut un template Debian 11. Faut que j'arrive à retrouver... Je sens que ça va être l'historique des commandes que j'avais utilisées. Parce qu'on peut avoir une image disque. Oula. J'ai oublié de changer. Hop, pour vous. Le zoom par défaut. Voilà. Hop. Donc ça va être dans Bullseye. Vingt-trois janvier, vraiment? Non, daily. Ah voilà, c'est mieux. Générique cloud. QCOW2. AMD 64. Ça me paraît pas mal, ça. Générique cloud, je sais plus. Oui, parce qu'il nous faut du cloud init et du coup, on va être obligé de prendre ça. Hop, on va directement. On va se mettre là pour l'instant, on fera le ménage après. Juste vérifier qu'on ne fait pas de conneries pour l'instant. Non, on ne fait pas de conneries. Oui, je voulais faire ça. Hop, téléchargement de l'image. On cravache à fond, parfait, c'est déjà fait. Faudra que tu nous... Script un truc pour DL les quelques templates de base utiles. Alors, pour QEMU, c'est un peu compliqué. La plupart du temps, ce qu'on va trouver, c'est juste l'image disque. Et on va voir qu'il faut faire quelques commandes pour créer une machine virtuelle vide
sur laquelle on va rattacher cette image disque. Donc c'est pas évident. Par contre, si on veut créer ou si on veut avoir des templates, alors ça va être dans data center peut-être, je pense. Il y a pour les containers LXC, il y a un système de template qui permet de, enfin, en tout cas à une époque, parce que là j'ai l'impression que je les vois pas. Ou alors faut retourner sur la partie storage. Non, c'est pas ça. Je sais plus avant. Avant il y avait une interface. En fait on avait un menu. Ah, c'est peut-être parce que je suis en folder view, je sais pas. On avait un menu qui permettait de gérer les templates pour Open. Alors à l'époque c'était pour OpenVZ, mais pour mon avis il y en a pour LXC aussi. Standalone, ok, non, ça c'est pas ça. HA, c'est pas ça. Permission, c'est pas ça. Permission, on s'en servira tout à l'heure pour Terraform. Mince. Je pensais avant qu'on avait un truc qui permettait de. Ce serait dommage s'il n'y a plus. Repositories. Non, ça c'est juste pour le. Ok. Mise à jour, on a vu ce que c'était. ZFS, non. Souscription, non. Réplication, non. Oh mince! Dommage. Ah, là, c'était. Voilà. Un dieu. Donc là, si on clique dessus, on a un bouton template. Et il y a plusieurs templates qui sont disponibles pour du LXC. Et donc là, en deux clics, tu récupères. Si on veut démarrer une Alpine, parce que je sais que tu aimes bien Alpine, on fait download. Hop. Il a récupéré le Alpine. Il est là. Et à partir de là. Ça va pas être ici, mais on peut faire create ct, le node, etc. Le resource pool, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le password. Et hop. Oui, parce qu'il faut mettre un password. Mettre un password. Juste pour faire suivant, c'est ça. Non. Non plus. Le mot de passe, lui. Ah, il suffit de demander. Et après, bah là, tu choisis ton template et tu peux démarrer ton Alpine. Bon, t'as pas spécialement besoin de scripter beaucoup de choses. C'est un peu plus chiant pour la partie VM. Enfin, pour créer un template, c'est un peu la galère. Mais bon, voilà. Là, l'avantage, c'est que t'as même pas à te poser la question. Bon, je vais le supprimer parce que pour l'instant j'en ai pas besoin, mais au niveau des VM, bah tu sais pas forcément trop où aller chercher l'image de chaque disque et tout. Bon, là pour les templates LXC, t'as directement la liste. T'as même pas besoin de t'embêter, la liste est là. Bon, là il m'a rajouté des trucs, mais donc pourquoi s'embêter en fait? Les containers LXC, en plus, ça a l'avantage d'être un poil plus léger qu'une VM complète. Voilà. Du coup, alors, j'ai mon image disque. Je vais quand même. Parce qu'il me semble que. Oula. Oulala. 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 Il y a du gros doigt. Il y a beaucoup de commandes qui font très peur dans l'histoire. Non, ça c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Ça c'est mes restaurations de machines. Ça c'était toutes les conneries pour le backup. Ça c'était la configuration du. Oh, ça c'est la création. C'était la première tentative. Ah, voilà. Là, par contre, j'avais tout fait à la ligne de commande. Ok. Ah oui, parce qu'il faut que je puisse créer la machine sans disque dur.
Mais l'interface permet de le faire, ça, maintenant. Il me semble. Une criée de VM. Note PVE. 1001. Non. Et bien 11 templates, parce que template, hein. Les sources pool, il n'y en a pas. Non, startup order, on s'en fout. Timeout, on s'en fout. Use, voilà. Do not use any media. C'est du Linux. 266, ok. Système. Graphics cards, on va mettre. Irtaio GPU. La machine, c'est du Q35. On va la coller. En EVFI. Non, je n'ai pas besoin. J'ai des bêtises. On va garder le CBIOS. Le contrôleur. Virtuel USSI. Le QMU agent. Le TP, on s'en fout. C'est là où le disque, on n'a pas le choix en fait. On peut pas. On est obligé de créer un disque, je crois. Non, ça c'est le contrôleur. Ouais, si, c'est ça. Il va vouloir créer un. Donc en fait, je vais. Bon, on va y aller en ligne de commande. Voilà, on va la faire comme je l'ai fait pour la première fois. Alors, non, on va faire un. Hop. 1001. Un cœur, 1 giga de RAM. On veut du Debian 11 template. Le réseau. Virtaio Bridge. Description. Debian 11. On n'oublie pas les guillemets. Donc a priori, il me l'a créé. Elle est là. Et on voit qu'elle, on voit que dans la liste des, dans le journal de d'exécution, il m'a bien fait la création de machine 1001. Ok. Effectivement, si je teste. Je vais la voir, elle est là. Et on voit qu'il y a zéro bout de disque. C'est ça. Donc là, maintenant, il faut... QM. Porte disque, ça va pas marcher, c'est ça. 1001. Ok. Unused 0. Ah, d'accord. Oui, donc du coup, il faut que je fasse. C'est ça, il faut que je fasse le QM7 1001. SISIHW. Virtaio SCSI. PCI, SCSI0, là faut que je mette local 1001, bon, moi le gaillard ou... Pourtant il apparaît là. Quand il me le... Ah, faut que je le déclare en bout de disque. C'est le délire, non? Bon, j'ai recommencé plusieurs fois. Oula. Qu'est-ce que... Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, attends, il y en a des commandes. QM7 1001-boot boot disk CSI0. Là, c'est passé. Je rajoute aussi QM7 1001-IDE2
Le calque, le dynite, parce que ça, on aura besoin quand on va créer les machines. Ok. Donc là, si je refais mon QM list, on approche les bonnes choses. Parfait. Quoique non, parce que là, il m'a dit 2 gigas. Quoique c'est pas impossible. Ok. Du coup. QM7001. Faire le serial aussi comme ça, on en profite. On sera peinard. Socket-GA. Quoique. Ouais, non. Pardon. Template. 1001. Ouf! Les doigts dans le désordre. Ok, et donc là, si on revient sur l'interface, on voit qu'on a des modèles. Ok. De machine. Et ben voilà. Première étape faite. Nouvelle étape. Déployer une machine virtuelle avec du Terraform. Puis on va tester. On va voir ce qu'on teste avec. Alors. Il me semble que j'ai déjà en local. Yes. Ici, j'ai le code Terraform que j'ai utilisé pour déployer une Rocky Linux 9 sur mon serveur chez Etzner. Du coup, on bon flemmard qui se respecte, je pense que je vais dupliquer ce code. Et on va s'en servir pour déployer, pour faire un test de déploiement sur le PVE. Du coup. Je vais aller me mettre dans TMP parce que. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses là-dedans. Il y a même des trucs que j'ai pas nettoyés. Start-il slash PVE lab, on va faire ça comme ça. Ok. Ah, faut que je fasse attention. Ok. On va virer ça. Je vais virer le DNS parce que pour l'instant on va pas en faire. Hop. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on va se faire ensuite? C'est quoi ça? Tool version. Voilà. On va prendre un Terraform plus récent. Qu'est-ce que j'ai sous la main? D'accord. On va faire le jeu avec la dernière version. Hop. Je vais me mettre en local pour l'instant. Là. Ça marche les templates avec Packer. Est-ce que Packer supporte Proxmox? La question est là en fait. J'avoue que comme je suis pas forcément un ultra gros fan de Packer, en tout cas je vois pas trop l'intérêt dans un contexte. Dans un contexte Proxmox. Après moi je suis plus partisan de on déploie le truc à poil et on fait tout avec de l'Ansible derrière.
Donc évidemment, voilà. Après, c'est sûr que... Non, honnêtement, je sais pas. Tiens, bonne question. C'est HashiCorp. Packer. Je suis encore... Alors, doc. Plugin, ça va être là-dedans, non? On est plugin. Builder, provisionneur, ça va être quoi? Je sais pas, builder to create machine, plugin. Each plugin. Ah. Community supported. ArmyMage, non. Exoscale, non. Citrine. Citrine. Citrix. Xen serveur. Ouais, non. J'ai pas l'impression. Verified, sort party. Bonne question. On va y aller comme ça. Hein. HashiCorp. Baker Proxmox. Bon, bah, il y a l'air d'avoir un builder Proxmox. Hein. Communautaire. Voilà. Ça pourrait éventuellement se tenter un jour. Pas ce soir, hein, parce que ce soir, j'avais déjà un petit planning à suivre. Je fais quoi? Remise à plat du labo. Hop, installation. Export-import. Template Debian. Et Terraform. Pour Terraform, on va avoir besoin d'un petit truc. J'avais dit tout à l'heure qu'on irait se faire quelque chose. Un API token. Le user, bon, on va le rattacher sur root, hein, c'est pas grave. Le token ID, on va appeler Terraform tout bêtement. Privilège séparation, oui, il n'expire pas. On l'ajoute. On va copier le secret. Je vais faire ça tout de suite. Hop. Pouf. Pouf. Alors normalement, la bonne pratique aurait été de créer un utilisateur dédié pour Terraform qui soit valable que pour l'API de Proxmox. Avec un rôle dédié et sur lequel on aurait créé le token. Là, j'ai directement créé un token qui est rattaché au compte root. Bon. On n'est quand même pas sûr. Et on voit qu'on a accès à tout. Hein. C'est pas la folie. Là, il aurait fallu que je crée un utilisateur qui soit rattaché au Realm PVE, donc valable uniquement sur PVE. Parce que là, techniquement, je suis rattaché à un utilisateur système, donc j'ai des droits système. Pas forcément ce qu'on veut. Mais là, pour la simplicité, je vais y arriver, de l'exercice ce soir, on va se contenter de ça. Je vais claquer un sublime texte. Hop, on va virer ce qui sert à rien. Voilà, je vais être obligé de zoomer. Alors, je suis désolé, mais je peux pas zoomer le menu de gauche. Donc, c'est forcément minuscule. On voit que là, j'ai créé des variables dans lesquelles on voit que je remets mon compte avec le secret qu'on vient de créer. J'ai mon tool version où on vient d'installer Terraform 1.4. Lui, je vais le renommer tout de suite. Parce qu'on va faire ça comme ça. Du coup, faut que je vérifie un truc avant. Hop.
histoire que je laisse pas traîner d'autres. D'autres secrets dans un coin. Non, a priori, on est pas mal. Non, c'est bon. Hop. Voilà. Alors, avant de s'attaquer à ça, on a les variables. On a ça où il faut qu'on change. 192.168.1.4. Ensuite, le target node. Ouh, il s'appelle PVE. L'IPv6, on est... Ah oui, d'accord, ok. Bah non, parce que là, c'est l'inverse. On va avoir de l'IPv4. Donc, on va définir une IPv4. On a un name server. Les caractéristiques. La zone OVH, on s'en fout, on va pas s'en servir. Le projet, c'est le nom du serveur. Ok. Ensuite, les variables. Le template, on va tester notre Debian 11.9. L'adresse IP. On va lui mettre une IP comme ça. Quoique, j'avais quoi tout à l'heure? 6.16, ouais, donc c'est bon. Le 10, c'est bon. On va lui mettre 2 CPU et 2 gigas de RAM. Hop. On va lui mettre 20 gigas de disque, hein, ce sera déjà pas mal. Le name server, on a dit qu'on allait laisser quoi de name pour l'instant, parce qu'on va pas s'embêter. La clé SSH, normalement. Semble que c'est celle-là. J0, VCO, J0. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, a priori, j'ai toutes les variables. Alors, Tatooine, non. Oh, c'est pas du Nextcloud, mais on va l'appeler Nextcloud par principe. Du coup, dans le main, alors on a quoi? Le backend. Ah oui, alors non. On va virer ça pour l'instant. Vu que c'est juste un test, on va garder le dev state en local. Le provider OVH, on n'en a pas besoin. On le sac. Oups, voilà. Le provider OVH, on en va. Et alors par contre, vu que je suis en local et que le certificat n'est pas valide, il faut que je trouve. Voilà. Ça va être dans la doc HashiCorp. HashiCorp. Terraform, Proxmox. La use provider. Configuration option. Ok. Alors, documentation. Hein, PM API URL, d'accord. Debug true. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est ça, TLS insecure. Et donc c'est quoi? Optional. Je mets quoi dedans là? True, false? Je fais quoi? Bon, on va tester. PM TLS insecure. Il y a le true. Voilà. On va voir ce que ça donne, hein, de toute façon. Timeout 5 minutes. Ok, la doc, c'est quoi? On est où là? 2.9.14. 2.9.14. Allez, hop. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et dans le Debian, on a quoi? Proxmox VM machin. VoIP web server. Cherchez pas, le code est très mal foutu. Vu que c'est juste pour vérifier que le template Debian fonctionne. On va pas se faire mal.
Unboot true, agent 1, disque 0, ok. Search domain. Il servira pas, mais c'est pas grave. Et ouais, alors par contre, c'est ça, c'est IP4. Avec l'IPv4. Oh, d'ailleurs, tiens. IPv4, puisqu'on a changé ça. Hop. La gateway, GW4. La gateway, c'est simple. 168, c'est la livebox. Donc 254. Hop. Donc là, on est pas mal. Il m'a fait le TF, le FMT tout seul. C'est du storage local. Mais ça, faut que je fasse attention. Faut vraiment que ce soit local, le storage. Virtio pour le network. SC6.0. Ouais. Ok. Ouais, bah on est pas mal avec le cloud init là. Donc en fait, normalement, tout ce qui est paramètres réseau et domaine va passer par cloud init pour la configuration. Du coup, on va être pas mal, hein. On va être pas mal. Je vais sourcer mon point env. J'ai bien mes API tokens. Ok. On va faire un terraform init. Backend. Plugin. Initialize. J'ai mes dossiers. Je me... Très drôle. Oh la vache. Ok. Hop, on va se mettre là, puis on va voir ce qui va se passer. Terraform plan. IRAL. Registry provider telnet. Alors, user root pom has valid credential but cannot retrieve user list. Check privilege separation of API token. Bon. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, il me dit bien qu'il a trouvé. Additional wait, ok. Agent 1, automatique reboot, oui. Boot 0. C'est quoi? Force create false. Ouais, c'est normal, pour l'instant, il n'y a rien. Full clone true, ok. Le guest agent timeout. Le hot plug. L'ipconfig 0. C'est IP4 ou IP tout court? Je l'ai défini comment dans le fichier? Ça y est, je sais déjà plus. IPconfig 0. Ah oui, j'ai pas besoin de mettre le 4. Voilà, donc, de toute façon. Si je fais ça, ça va déconner. Ce qui est bizarre, c'est que le firewall, il est à trou là. Allons-y. C'est parti. On lance la machine. Côté PVE, il nous dit quoi? On dit qu'on a un Nextcloud qui est là. Donc il a cloné. On voit l'étape de clone. Et là, il a gueulé. Alors. Sauf qu'il a gueulé, mais il n'a pas dit beaucoup plus que ça. Il a gueulé. Alors, TF log égale
debug port df log pass égal égal j'ai oublié je mets juste f.log je crois voilà je vais revoir les qu'est-ce qu'on a ça c'est bon 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 oula ah non pas du tout. Pas du tout, ça m'apprendra des conneries. On va bien voir hein, si ça. Ouais, c'était ça. Donc là, il est en train de configurer. Et là, il vient de faire le start. Donc là, normalement, si on clique là-dessus, on devrait voir la console. Kernel panique! Bon, ça commence mal. Ah oui, puis là, ça fait carrément clignoter la fenêtre. Cisco, qu'est-ce que c'est que ça? Ça commence mal. Hein. Je sais pas pourquoi il veut pas. Un délire avec la console. Je l'ai pas en mode spice. Ouais, évidemment. Bon. Évidemment. Ce serait pas la bonne image. C'est quoi l'idée? Si je prends générique, c'est quoi? Bon, faut que je prenne la version OpenStack. Je me souviens que j'avais pris la version OpenStack à une époque. Et j'ai l'impression qu'elle est plus maintenue. En tout cas, on n'a pas d'image Debian 11 pour OpenStack. On a que des images génériques. Et du coup, est-ce que je dois prendre une générique tout court ou une générique cloud? C'est quoi le truc? Excluding driver for physical ADWA. Ah! Donc en fait, il faudrait que je teste avec générique toco. Faut que je refasse le template. Ouais. Allez, allons-y. Faire ça pendant ce temps-là, pendant que ça, en attendant que ça plante. Générique AMD64 QCOW2. C'était bien ça, de toute façon je m'étais pas planté de. Oui, non, c'est ça. Hop, je vais me couper ça. Du coup. On va tester avec le 1002. Hein. On va l'appeler Cloud Template. Tu, 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 tu.
Qu'est-ce qu'on veut? Pendant ce temps-là, il va planter. Ok. Donc là, c'est 1002. Attaché. On n'a pas de 1002, 1002, 1002, 1002. Ok. Pendant ce temps-là, lui, de toute façon, il est claqué, hein. Oui, voilà. Si on force un reboot, un truc comme ça. Je suis pas sûr que ça marche. Parce que la console nous va dire quoi. Le reboot passera pas, faut que je fasse un reset. Le reset a fail parce que. Oui, bon. Vas-y, vas-y. T'emmerde pas. On va abandonner le truc. Hardtop. Fais-moi ça. On va faire ça. C'est pas la peine de s'embêter. Le stop marche pas non plus. Oh là là. Décidément. Oui, parce que le reboot a pas pris, donc du coup on va faire ça. Hop, et là on fait un stop. Voilà, et là c'est passé. Non mais vas-y, c'est bon. On va faire ça. Ah, on va virer le state, on va delete avec la bécane. Hop, on sac tout. On remove. Ensuite, on va aller dans le dev var, on va changer. Je l'avais appelé comme ça. Hein. Ça. Et donc là. Donc là, il clone le 1002. Il nous dit que c'est bon.
Oula. Pardon. Il fait la configuration. Ça passe. Il start. Que dit la console? Oh, kernel panique aussi! Oh non! Ok. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas le message en entier. Pas cool. Bon. Bon, on va pas insister. Hop. Gracefully shutdown, on s'en fout. Qui arrivera pas. On stoppe ça. On délète. Voilà. Problème avec la... Alors si je me tape un kernel panique avec le Rocky Linux 9, je suis pas dans la merde. Il l'a pas encore start. Suis-je bête? Voilà. Et ben là, il a l'air de démarrer. Ok. Et donc, il est bien démarré avec le bon nom, ce qui s'appelle Nextcloud. Et là, il a terminé au bout de 38 secondes. Waouh! Ah, c'est surprenant ça. Quand j'ai déployé sur mon serveur, il mettait jusqu'à 4 ou 5 minutes pour me rendre la main. Et là, il a terminé tout de suite. Putain, c'est chaud. Du coup, SSH, je crois que c'est Rocky 192 160, 168 1.4 du coup. Il nous demande le mot de passe. Il n'a pas passé la clé SSH. Ça, c'est embêtant. Le problème, c'est que je connais pas le... Il n'y a pas de mot de passe sur le contrôle key, en fait. Donc, je crois que ça marche pas. Alors c'est pas Rocky? Je me souviens plus. Connecté avec le compte route? Non, c'est pareil. Ah mais non! Oh la vache. Oui. Chut. Oui. Allez, voilà. Oui. Oh la vache, j'aille dormir. Donc voilà, on est connecté à notre Rocky Linux 9. Faudra que je comprenne. Bah, je pense que du coup, ça sera partie des rares bidouilles que je chercherai pendant les vacances. Ah, alors ça me paraît bizarre. Il y a une différence où j'ai pas fait attention. C'est que là, le default, c'est I440. Ben non, j'ai la même là.
En train de regarder les différences entre les deux. Il y aurait éventuellement la partie display où j'ai effectivement pas voulu définir le serial. J'aurais peut-être dû le faire. C'est bizarre. Bon, je vous cache pas que ce soir, voilà. et en fait, bah pareil, je le ferai une prochaine fois. Parce que là, je l'ai fait vraiment local, etc. Le fait est que j'ai toujours pas de BinIO propre pour stocker mes TF state. Et l'idée, ça va être de créer un module générique plutôt que de devoir recopier l'intégralité du code à chaque fois. Avec tout ça notamment. L'idée va être de foutre ça dans un module qui nous permet de définir seulement les éléments dont on a besoin. Et ça permettra de après de dire coucou, je veux déployer à tel endroit, je veux déployer tant de machines. Le jour où on testera des choses à base de clustering, ce sera plus intéressant. Ouais, j'ai Q35 aussi. Je l'ai pas défini. J'ai laissé. En fait, le I440FX, c'est la valeur par défaut. En fait, je l'ai pas défini. Du coup, il a pris la valeur par défaut. Quand j'ai fait les QM, QM import, QM create, etc., j'ai pas cherché à changer la plateforme. Mais normalement, ce truc-là, le I440FX, il est ultra bien supporté. Et le fait est que, de mémoire, si on va voir Coruscant, si je prends une vieille machine Debian 8. Ah non, j'ai mis du Q35 en hardware, là. D'accord. Mais par contre, j'ai pas le même contrôleur. Ouais, c'est bizarre. Là, je suis en Q35 aussi. Et puis là, bon, bah. Voilà. Mais bon, après. Pas sûr que ça change grand-chose. Je serais curieux d'ailleurs. Faudrait peut-être regarder un jour, s'intéresser aux implications de ce truc-là. Ça devrait pas empêcher de démarrer. Là, le problème, c'est que ça démarre même pas. Je me prends un carnet panique direct. Et vu la gueule de la console, je peux même pas voir le truc entier. Bon, peut-être parce que j'ai pas bien défini la partie graphique. Qui est même pas défini non plus là-dessus. Je suis en CBIOS. Je suis en CBIOS partout. Ouais. C'est vrai que j'avoue que j'ai pas fait attention à ça. Il faudrait que je refasse le terminal. Pour avoir un bon terminal au niveau du truc. Au niveau du stockage local, ça dit quoi? Ça dit qu'on a ça. On a les backups. J'ai pas l'impression qu'on puisse gérer le stockage. Après, on a une quoi? Folder view, pool view. Si je mets folder, j'ai storage. Storage local. Summary. On n'a pas d'option pour le gérer via l'interface. Même pas de clic droit dessus. Permission, non, on n'y touche pas. Parce qu'en fait, voilà, la dernière fois, ce qui s'était passé sur ma première version de Proxmox, je me suis retrouvé quand on fait. J'avais ça. Hein. Et en fait, quand j'ai essayé de changer le dimensionnement du LVM Syn, je m'étais pris une cartouche. Il n'avait pas voulu le mettre. Il n'avait pas voulu me le redimensionner comme il faut. C'était potentiellement une histoire de métadonnées. Hein. Voilà. Donc là, ouais, j'ai 96 Go. Qu'est-ce qu'on avait vu? Je le fais comme ça. Ouh là 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 là, ouh là 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 là. Pitié. Ouais, donc je pourrais grossir éventuellement le PVE route si je veux.
J'ai pas besoin de faire plus. Ni de créer. Ou alors je crée un volume à part, mais bon. Voilà. C'est un labo. Comme je dis, le truc va être éteint 95% du temps. Je vais pas m'embêter avec ça. Est-ce que je regarderai pour le Wake Online maintenant, tiens, tant que j'y suis. Il va me falloir. Hop, on va reprendre ça. Hop. Je vais mettre ça de côté. Qu'est-ce que. Je vais déconnecter de ça. J'avais besoin de ça. J'ai fouillé dans le BIOS. Il est tellement fourni que j'ai pas trouvé s'il y avait un truc à activer côté BIOS. Ça, je peux fermer. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, donc ça c'est la commande pour l'allumer en local. C'était quoi la commande? Je me souviens plus. Voilà, j'avais fini là-dessus la dernière fois. Et c'était ETH Tool. Non, ETH Tool qui nous intéresse. Est-ce qu'il est installé? Non. On va l'installer. Qu'est-ce qu'on avait vu? C'est ça. ETH Tool. NP1S0. Ça devrait marcher, ça. Oui. Support Recon 9 PUBMG. Ok. Et il est en disabled. Donc, il faut forcer. ETH Tool-S1, c'est WallG. Là, si je fais ça, il est activé. Et la dernière fois, c'était pour. C'est ça, on avait fait ça comme ça. C'était dans ETC Network. ETC Network. If-up.b. Wow. Ok. Ouais, bah ouais, du coup. Tu vas me dire qu'il est déjà installé? Ben non. Hein? Qu'est-ce qu'il fait ce truc-là? Là, il fait quoi? Il cherche ETH Tool. Ok. Ensuite, il crée des settings. C'est très bizarre. Je comprends pas tout ce qu'il fait. C'est quoi le délire?
On a un truc là-dedans. On a quoi? Non. On va faire un ENP, un S0. Qu'est-ce que... Bah maintenant il n'y a plus qu'à l'éteindre et puis voir ce qui se passe. Donc là, je lance un power off. Donc là il s'éteint. Enfin il va s'éteindre. Je vois toujours le voyant. Là, il est éteint. Le petit voyant s'est allumé. On devrait pas tarder à avoir pingé. Il faudra que je modifie le démarrage. Bon, il y a pas mal de choses après. Pour qu'il soit quand même dans une situation sympathique pour fonctionner. Et voilà. Ah, il est démarré. Parfait. Donc là, si je retourne là, je rafraîchis. Voilà. Il est démarré, il répond. Et le Nextcloud a démarré en même temps. Parfait. Usage 100%? Oula. Oula. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Oui, d'accord. Il a démarré. Donc, bah, voilà, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Bon, on aura quand même le droit à un fail. Tranquille. Parce qu'on n'aura pas eu de... Le template des... Bon, je... On n'a pas fait le module. Pas grave. Voilà. Qu'est-ce que... Que dire de plus? Ouais, j'ai au moins les Rocky qui marchent. Ouais, ça veut dire que je vais pouvoir pleurer du son si je veux les utiliser. Parce que ce Linux. Et ce Linux, c'est beaucoup plus compliqué à utiliser ou à paramétrer comme il faut. Mais bon, c'est un bon exercice. C'est pas mal. Donc ouais, donc ça, voilà, comme ça j'ai une bonne base de plateforme qui va pouvoir me servir dans le futur. Surtout, je vais pouvoir mettre. Alors il sera pas perdu. L'autre microserveur, parce que je pense. Vu qu'il a des capacités de lecture en 4K, ça sent le déménagement. Le remplacement. De mon vieux Raspi 3. Avec Librelec pour mettre un Librelec aussi, mais qui soit capable de faire de la 4K. Parce que j'ai cramé un Raspi 4 à cause de ça. Enfin, après un premier essai, parce que j'ai été un peu violent dans le décollage des radiateurs que j'avais mis dessus à l'époque, quand je les ai installés pour le cluster Kubernetes.
Et du coup, je suis revenu en arrière, ce qui m'emmerde un peu. J'aimerais remettre ça d'aplomb. Bon bah forcément, là où j'ai tendance à laisser le Raspberry Pi allumé en permanence, bah là, avec le Wake Online, justement, je vais pouvoir me permettre de dire, ok, je l'éteins et je le rallume quand j'en ai besoin. Et là, ça va être pareil avec le lab, donc je vais pouvoir me baisser un petit peu la consommation de l'installation. Sinon, comme j'ai dit, j'aurai l'occasion de le redire et de le réécrire. Donc là, je vais être en vacances pour 3 semaines. Donc il n'y aura pas de live avant fin mai. De nouveau live avant fin mai. Je sais pas quoi faire. Sur quoi me décider. Je me tâte à faire une installation de Mumble 1.4 via Podman. Mais comme je veux le faire sur la machine Tatooine qui pour l'instant n'est qu'en IPv6, ça boot vite, pas un physique. Ouais. Bah, c'est du SSD NVMe. Le fait est que le physique Exner, il démarre lentement et je sais pas pourquoi. Je saurais pas trop expliquer pourquoi. C'est super long à démarrer. Une fois que c'est démarré, les performances. Bon, c'est la même plateforme que que le PC avec lequel je stream, donc c'est cool. Mais le fait est que ouais, c'est un peu. Ah oui, puis alors si tu parles d'un vrai gros serveur physique, entreprise avec un îlot, machin, etc., c'est vrai que c'est pas fait pour être redémarré souvent. Là, moi, le but du jeu, c'est que ce soit démarré ponctuellement. Oui, voilà, oui, un bon Dell. Mais c'est pas fait pour être redémarré. Et ces serveurs-là, c'est fait pour être allumé une fois et tourner 24/7 pendant 10 ans. Pas plus. Donc, ouais, voilà. Là, c'est du matériel pour faire un petit poste de travail. Enfin, le jour où ça déconne, j'ai pas d'interface dédiée pour aller faire de l'administration à distance. Accéder au BIOS sans être obligé de le brancher sur un HDMI, ce genre de choses. Donc ça, voilà. Donc comme je disais, dans un mois, je sais pas, on a le choix. Il y a du Mumble. Faut que je retrouve. J'ai dit que j'avais la liste des mots de passe en clair pour s'amuser à parcourir un peu dedans, faire des stats avec des outils en ligne de commande. J'arrive pas à remettre la main sur le fichier. Je sais qu'il est quelque part, faut juste que je retrouve le dossier. Potentiellement, je vais pouvoir le retrouver pendant les vacances. Bon espoir. J'ai aussi. Comment remettre en place de la synchronisation entre Git et GitHub, qui va me permettre par la suite de pouvoir publier la mise au propre du sauvetage du live sur GoDNS, où on n'a pas fait de GoDNS finalement. Parce que. Parce que GoDNS marche pas avec OVH tout simplement. Du coup, on était arrivé à un petit truc vite fait où je m'étais servi de Nixery pour générer une image qui fasse un curl via un cron job. Et l'idée, c'est de refaire ça au propre pour pouvoir le déployer. Forcément, c'est du Kubernetes, mais on mettra peut-être plusieurs options sur la table dans le dépôt. On verra bien. Parce que là, j'ai marqué de chart Helm. Chart Helm pour un config map et un cron job, c'est peut-être un peu abusé. On n'en aura peut-être pas besoin. On verra. L'idée dans un premier temps, voilà, ça va être de faire le dépôt,
Et après, je vais mettre en place du miroir GitHub et GitLab si possible. Sachant que dans le passé, j'avais déjà fait pour GitHub, mais ça avait sauté parce que c'était sur une ancienne installation. À l'époque, c'était avec Gogs. Le truc n'était même pas encore containerisé. C'était sur une VM, sur un de mes premiers. Argo ou Flux? Je suis pas sûr que je vais mettre en place ce genre de setup. Non, non, en fait, Gitia a des options natives pour la synchro. Est-ce que je peux... Il y a des choses qui se font assez simplement. Faut que j'arrive à me... Pouf, pouf, pouf. J'attrape le téléphone parce que sécurité. Je suis où? La tasse de thé, il est là. Voilà. Et en fait, quand on va dans la configuration d'un dépôt, on a des options pour en faire des webhooks. Et on a aussi... Où est-ce qu'on a? Mirror settings, voilà. Et on a des mirrors qu'on peut configurer pour pousser ailleurs. Donc on peut configurer nativement la synchronisation vers du GitHub ou du GitLab, sachant que bah, j'ai un compte GitHub et je me suis connecté sur GitLab.com avec mon compte GitHub, du coup j'ai les deux. Donc je vais pouvoir configurer les deux. Ce qui m'emmerde un petit peu, c'est qu'il y a marqué username password. Idéalement, ce serait bien de trouver si on ne peut pas utiliser un token plutôt, qui soit juste autorisé à pousser, histoire de ne pas faire trop de violence. Et en plus, on a aussi potentiellement un intervalle qui permet de synchroniser automatiquement. Voilà. Voilà, ça fait partie des choses qu'on peut faire. Donc là, je vais le faire. L'idée, c'est de le tester pour un. Les deux seront peut-être dans la même soirée, hein, vu le peu de temps que ça prend à mettre en place. Dans l'idée, c'est ça. Surtout que ça pourra servir pour d'autres choses après. Ça, pendant les vacances, j'ai pris du retard. J'ai les graphes à faire. C'est tous mes tests de performance. Pour les tests des instances ARM et de SNARE. Petit spoil, financièrement c'est particulièrement intéressant, surtout vu comment ils facturent les instances Intel. Voilà. J'ai pas eu l'occasion de tester le haut de la gamme en 16 cœurs, 32 Go de RAM. Où là, c'est à comparer à AMD et puis à Intel. Mais quand il y a plus de deux fois la différence en termes de prix, je me dis qu'en termes de performance, on n'est quand même pas. Ça doit quand même pas être foufou. Et puis après, il y a autre chose. Qu'est-ce que je me dis? Oui, peut-être, voilà. Actuellement, il n'y a absolument aucune automatisation au niveau. Au niveau chat Twitch. Et plutôt que d'essayer. Enfin, j'ai envie de me remettre un peu à Python déjà. Il y a plein de choses que je pourrais faire dans le futur que j'ai pas encore noté là. Il y a notamment le vieux sujet arlésienne de la refonte de mon. Comment? De ma base de données de films, qui actuellement est un vieux truc PHP MySQL. Que j'ai écrit à l'époque avec le bouquin de Mathieu Nebra. On parlait encore du site du zéro. Open Classroom n'existait pas encore. Et bah ce code-là que j'ai écrit à l'époque fonctionne encore sur. À l'époque c'était du PHP 5.4. Actuellement il tourne sur du PHP 7.3. Et pas de problème. C'est cool. Mais
Voilà, j'ai envie de rafraîchir. L'idée, c'est de passer sur du Python MongoDB en termes de base. Donc, je vais essayer de déterrer un vieux script de migration que j'avais fait à l'époque, qui marchait parce que je l'avais fait tourner en local. Je m'étais lancé du MariaDB, du MongoDB avec Docker, et j'avais réussi à faire les migrations de base. J'avais partagé ça sur le blog d'ailleurs. J'avais fait un article. Une série d'articles, je crois que je l'ai fait en quatre parties de mémoire. Alors, trop de caractères. Hop. Alors, on voit d'ailleurs 2015. Ah, quand je dis que c'est de l'Arlésienne, on va pas nous faire une Duke Nukem Forever, mais on pourrait tout à fait. se rapprocher d'un Dead Island 4. Hein. 2, pardon. Dead Island 2. Et donc oui, c'était il y a 8 ans. Ah la vache. Donc voilà, j'étais arrivé à un script qui revenait dessus, qui permettait aussi de mémoire de corriger certains problèmes. J'avais pas une histoire de correction de caractère. Je me souviens plus. Me semblait que j'avais fait des choses parce que j'ai des problèmes liés aux caractères spéciaux. Qu'on n'a pas là d'ailleurs, évidemment. Ce serait trop simple. Je me souviens plus. Tupé dictionnaire, schéma de la base. Ah, voilà, c'est ça. J'ai des soucis d'encodage dans la base de données. Et du coup, il avait fallu que je bosse quelque chose. Je l'ai pas mis là. Ah, c'est bizarre ça. Alors, je le faisais comment? Je me souviens plus du tout. Ah bon, voilà, l'idée, ça va être de déterrer ça. Et après, de faire un équivalent en Python de ce que j'ai fait à l'époque. En PHP. Pour l'exercice. Mais du coup, Python va servir aussi pour le bot Twitch. Histoire de faire un truc minimaliste. Hein. L'idée, ça va être de se baser sur un truc tout simple. Fouillera un peu la doc. Je fouillerai peut-être un peu pendant les vacances. Je vais pas prendre beaucoup bricoler au niveau informatique pendant les vacances. Je prendrai peut-être un peu d'avance sur ça. Histoire que ce soit pas trop douloureux à regarder. Et puis bon, on fera un petit truc où on fera un bot tout bête hein, qui envoie un message à intervalles réguliers. Vous tapez une commande, ça répond. Voilà. Oh, on cherche pas des trucs de foufou. Mais ce sera pour l'exercice. Voilà. Il y a aussi. Alors, actuellement, là, on voit. J'ai réutilisé Joplin, qui était l'appli qu'on avait découvert dans le premier épisode. C'est bien. Le stockage est local et tout. Par contre, c'est absolument pas collaboratif. Et il n'y a pas longtemps, je suis passé sur un. Comment? J'ai vu passer le nom d'un logiciel qui s'appelle Edgedoc, qui pourrait tout à fait se substituer à Joplin. Pour le coup, c'est une application à héberger. Je ne sais pas trop où l'héberger encore. Mais l'idée, ce serait de la tester. Et du coup, ça permettrait d'avoir voilà, de la doc. Qu'on peut partager plus facilement.
Et surtout travailler dessus à plusieurs, en cas de besoin. Voilà. Donc ce sera intéressant à voir, je pense. Pour faire râler... comment? Carapace, ce sera probablement du Docker pour le coup, ou du Kubernetes. Tant pis. Donc voilà. J'en étais où? Ouais, j'ai là. Donc il y a ça. Ça, je vais faire ça pendant les vacances. Puis un peu plus loin, il y a... faut qu'on teste vraiment Nextcloud. Là, le labo va être intéressant. Parce que mon premier essai sur une machine virtuelle, pareil, ça s'était pas très bien passé. Donc là, on va refaire le truc from scratch au propre. Pas forcément sur du cube, parce que pas besoin. Et on va voir en quoi on peut s'en servir. Parce que je cherche toujours une solution plus agréable à gérer pour synchroniser mes contacts. Et c'est quoi? VCF et calendrier, je vais y arriver, voilà, de mon téléphone. Parce que je n'utilise pas de compte en ligne pour ça. J'ai pas d'appli particulière. Du coup, tout est en local sur le téléphone. Et je suis obligé de faire des sauvegardes à la main. Et déporter les sauvegardes à la main. Minayo, pas mal de trucs en S3. Alors Minayo est aussi au programme, effectivement, je vais le noter. C'est vrai que je dis que... Alors le truc c'est que le Minayo, il y a des chances qu'il attende le remplacement du NAS pour un NAS plus récent. Parce que je pense que pour le coup, j'installerai le Minayo directement sur le NAS. Comme ça, il sera plus proche de son stockage local. De la même façon que le Nextcloud finira probablement sur le NAS aussi. J'ai la même réflexion qui n'est pas encore finalisée pour l'installation d'un media center comme MB ou Jellyfin. À voir. Ça dépend... Comme ça dépendra aussi du matériel. Que je compte installer. Mais quand tu parles de Minayo, c'est pour quel usage? Un live avec du Minayo et Restic. Restic. J'ai pas eu l'occasion de m'en servir vraiment, en fait, de Restic. Ça pourrait être intéressant. Permettrait de voir un outil de backup. J'avoue que comme je connais pas beaucoup, faudrait voir comment il fonctionne. Non, faut aussi que que je trouve comment mettre en place une sauvegarde fiable et automatisée du contenu de mon NAS vers un stockage externe. Mais pareil, je pense que je vais être obligé d'attendre de changer de NAS. Parce que le matériel que j'ai actuellement, il est trop limité. C'est un petit ARM 32 bits. Il n'a absolument aucune patate. Pour dire, actuellement, je suis en RAID 5 avec 3 disques. Je dépasse pas les 60 mégaoctets par seconde de débit. Avant, je dépassais les 85 quand j'avais que 2 disques. Je suis passé au RAID 5. J'ai perdu 20 mégaoctets par seconde pour qu'il calcule la parité. Donc bon. Je vais pas lui en demander plus que ça. Et puis en plus c'est compliqué. Bah là typiquement le Minayo que j'ai installé, je suis bloqué à 2020. Parce que depuis 2020, Minayo propose plus d'images ARM 32 bits. Et je me sens pas de chercher à compiler pour ça parce qu'à mon avis ça marchera plus. Donc il va falloir reprendre un Minayo plus récent, plus stable, voilà. On passera peut-être par une étape labo avec le Proxmox, histoire de tester les capacités d'un Minayo récent. Puis bon, on pourra tester Rustic aussi, pourquoi pas. On peut envisager le déploiement de machines virtuelles. C'est ça qui est bien avec le labo, c'est qu'on peut déployer un environnement from scratch très rapidement.
Ce serait quand même bien d'avoir autre chose que du Rocky, quand même, du Rocky 9. Ça marche bien. Bon, j'ai rien à reprocher à Rocky Linux 9, mais comme c'est sympa de varier les plaisirs, ce serait intéressant d'avoir les deux qui marchent. Pour montrer les deux. Donc, c'est vrai que Restick. C'est pas très utilisé. Je sais qu'on peut l'utiliser en conjonction avec Velero pour faire du sauvegarde de volume quand on n'a aucune fonction de snapshot disponible. Oh bah tiens, manifestement, j'ai déjà lu des choses. Qui date de 2021. D'accord. Oui, donc effectivement, on peut stocker sur. Pas mal de choses dont et c'est du Go effectivement. Et Go c'est un truc hein. Ça c'est pareil hein. Un jour il va vraiment falloir que je m'y mette. Ça veut dire que je vais devenir, je suis mauvais en bash, je suis mauvais en PHP, je suis mauvais en Python et je vais devenir mauvais en Go. Ah, ce sera rigolo. Tiens, créer ton propre NAS avec deux vieilles tours et de l'open source. Alors, comment dire? J'ai vécu déjà. J'en étais content. Le problème, c'est que trouver du matériel qui consomme peu et après mauvais en Rust. Non, j'en suis pas là. Et Rust, j'ai vu cette semaine, il y a des mecs qui ont créé un fork. J'ai trouvé ça complètement con. Enfin, complètement con, ça se justifie peut-être. Mais j'ai halluciné d'entendre ça. Enfin, j'ai halluciné de lire ça. Tout ça parce qu'apparemment, il y a eu un changement de politique qui a été poussé par la fondation. Et que les mecs sont venus gueuler tout de suite. Oh, vous dépendez trop des entreprises. Vous leur... Oui, il y a tout. Du coup, on fait un fork. Du coup, il y a un fork de Rust. Travailler chez EDF. C'est pas faux. Mais sauf que même eux, en ce moment, vu les prix de l'énergie, à mon avis, ils sont pas à la fête. Ce qui est con. Mais bon. Il y a. Donc, ouais, pour revenir au NAS maison, j'ai fait pendant longtemps avec du matériel de récup. C'est même pas n'importe quel matériel de récup, puisque c'était la carte mère et le proso d'un des PC de jeu que j'avais en 2000. C'était 2000, 2000, 2000, 2000. Que j'ai eu jusqu'en 2010, je crois. Et du coup, c'était un Core 2 Duo ou un Core 2 quoi, je sais plus. Je me souviens plus. Et du coup, j'avais acheté des disques. J'ai récupéré un des vieux boîtiers et je me suis monté un NAS comme ça. À l'époque, j'expérimentais avec le RAID. Et du coup, j'avais fait du RAID 1. Avec tout le. Mais je crois que c'est pareil, je crois que j'ai l'image sur le blog. Hein. Je crois que j'ai l'image quelque part. Hein. C'est un vieux truc. Alors après, est-ce que. Oh mon Dieu, il n'y a que du texte. Quel enfer. C'était ça, peut-être. Non? Ah voilà, ça c'est mon bureau. Ça, c'était les premiers essais pour faire un NAS, maison. Donc voilà. Les disques durs sur le bureau, à l'arrache, les câbles qui dépassent de partout. La carte mère sur un tapis antistatique avec la lime juste derrière. Bon, voilà. C'est brut de décoffrage, on va dire. Et donc. Alors non, ça, c'est la suite. Donc ça, après, voilà, ça a été mis dans un boîtier. Ça a tourné bien pendant des années. Je l'ai même passé en RAID 5. À un moment donné,
parce que j'avais besoin d'un peu plus de capacité et que je me suis dit, bon, les disques durs, ils commencent déjà à avoir de la bouteille. On va essayer de pérenniser un peu. Et puis, le truc est tombé en carafe en 2015. C'est-à-dire qu'un matin, je me suis réveillé. À l'époque, j'hébergeais mon. Alors, le truc tournait sur OpenMediaVault. Donc, OpenMediaVault, c'est une installation Linux qui est optimisée pour faire du. Pour faire du stockage, du. Pour faire du NAS, quoi. Ça, c'est très vieux. Hop là, clac, voilà. Et donc c'est encore une fois basé sur Debian. Et donc on a une interface web aussi qui permet de gérer plus ou moins tous les aspects d'un NAS, de créer quelques services. Et le plugin permettait notamment à une époque. Alors là, c'est. L'installation, c'était du VirtualBox. Mon NAS faisait tourner des machines virtuelles avec VirtualBox. Et bon. Alors ça marchait. J'ai installé ça. J'avais installé mon lecteur de flux RSS. Et je venais de commencer à travailler chez LingMyNet. Ça faisait même pas un mois. Et donc un matin, en prenant mon petit chocolat. Je commence à prendre mon téléphone et à vouloir accéder à mon lecteur de flux RSS, et là le truc, il marche pas, tout simplement. Et là je découvre que j'ai deux disques sur les trois qui ont sauté. J'ai éteint le truc, j'ai dit ok, bon bah le serveur était encore chez ma mère, donc du coup j'ai dit on verra dans 3 semaines quand je remonte là-bas. Et par chance, quand je l'ai rallumé, il y avait un deuxième disque qui était revenu. Donc du coup, je me suis empressé de sauvegarder les données et de couper le truc définitivement. Alors techniquement, il est toujours posé dans un coin. Il est censé marcher toujours plus ou moins. J'ai quand même un disque dur qui est mort. Hein. Mais du coup, j'ai jamais retenté. Dans l'urgence, j'ai réinstallé un petit NAS. Ma mère deux disques, un petit Synology qui du coup maintenant c'était déjà de l'entrée de gamme en 2015, donc autant dire que 8 ans après le truc il pleure oui mais depuis le temps tu sais répondre à tout or t'es entouré toute la journée de Linuxiens, t'as dû finir par prendre des trucs, c'est normal. Oui, donc j'ai repoussé un petit NAS chez ma mère pour remettre une partie des fichiers. Et après, quand je me suis installé dans mon appart, s'est posé la question de remonter un NAS. Alors, dans un premier temps, j'ai utilisé un vieux laptop où j'ai branché un disque dur en USB. Ça a fait le café pendant quelques mois. Le temps de commencer, le temps de. Alors, à l'époque, je roulais pas non plus sur l'or, donc. Le temps que j'achète le NAS, un premier disque, puis un deuxième, puis maintenant un troisième. Et en fait, l'avantage, c'est que ce matériel-là est super silencieux, consomme vraiment très peu. Et remonter un NAS, maison. En vrai, ça m'intéresserait parce que j'ai vraiment envie de. J'aimerais notamment remettre les mains dans TrueNAS. Parce que j'ai jamais vraiment utilisé TrueNAS. TrueNAS, c'est l'équivalent d'OpenMediaVault. Sauf que c'est basé sur du FreeBSD plutôt que du Linux. Ça a l'air d'être pas mal. Nous, c'est TrueNAS Core qui nous intéresse. Surtout parce qu'il y a une gestion. Alors, tout le monde arrête pas de dire oui, OpenZFS, c'est le must pour gérer des volumes. Je n'en sais rien, j'ai jamais expérimenté. Donc en vrai, ça me fait envie un peu. Et puis bah, TrueNAS, pareil, permet d'avoir un certain niveau d'extension, etc. Qui permettrait de. Ouais, non, mais j'en ferai pas assez l'usage pour payer un Unraid. Voilà. Je sais que ça peut marcher.
Oui, il me semble que Unraid, si on veut taper un peu plus fort, avec notamment du pass-through pour passer des GPU à des environnements virtuels, bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Il y a déjà des trucs gratos qui sont déjà particulièrement intéressants et agréables. TrueNAS, même au niveau d'interface, est plus intéressant, je pense, qu'OpenMediaVault. Après, TrueNAS, voilà, c'est une entreprise qui propose une version gratuite. OpenMediaVault, je crois que le truc est développé par un mec tout seul dans son coin. Ce qui reste quand même du coup un boulot monstrueux. Mais ouais, voilà, je me tâte à ça aussi. Ce qui me bloque, c'est la consommation du matériel. Et trouver une gamme de matériel qui consomme peu, idéalement silencieux du coup. Parce que mine de rien, mon vieux NAS à base de Core i, de même pas de Core, c'était du c'était si c'était du Core de Duo. Le fameux ventilo là, le minimum c'était 2000 tours minute et je peux vous dire que c'est pas silencieux. Hein. Et en plus, là, à l'époque, la carte graphique, elle était indépendante, ventilée aussi. Donc ça a été... Moi, je crois que cette carte mère-là, elle n'a pas duré... J'ai dû la changer entre-temps. Il me semble que c'est une... Parce que ça, c'est une carte mère ATX complet. Parce que là, on voit qu'il y a même des vieux ports PCI. La carte mère que j'ai, c'est une micro ATX. Et où il y a un GPU intégré dessus. Donc ça a permis de réduire un petit peu, mais le ventilo, c'est toujours le ventilo Intel. Puis bah ça consomme 50 watts à vide. Bon. C'est. Sans compter les disques, sans compter le rendement de la lime. Enfin, voilà, on n'est pas sur un truc de fou. Pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose comme alternative. Même sur du matériel entrée de gamme, un équivalent à ce que j'ai de l'ancien NAS, pas de l'ancien, pardon, l'ancien microserveur. Il est sympa, mais il n'y a pas d'extensibilité. Il n'y a que deux ports SATA, je crois, un ou deux ports. Grand max. On peut pas mettre beaucoup de disques durs. Mais sinon, ce serait cool parce que, bon, le Pentium en soi, il a suffisamment de puissance. Je pourrais éventuellement tirer parti de la carte graphique pour du transcodage pour la partie Media Center. Et il est passif. Il n'y a pas un ventilo. D'ailleurs, c'est une des différences fondamentales et j'espère que je vais être un peu tranquille avec ça. Après, le fait qu'il soit éteint souvent, ça sera un avantage. C'est qu'il n'est pas passif, le nouveau microserveur. Il a un ventilateur de laptop en soi. Et comme je dors dans la même pièce que le truc, je suis content d'avoir quelque chose de silencieux. Alors ce qui est rigolo, c'est que je peux le faire tourner en plus avec 32 ou 3 niveaux de puissance, je crois. Ouais. Il peut tourner de 25 à 10 watts. On peut lui donner le profil de puissance. Si j'ai besoin de le laisser allumer longtemps. Mettre la date heure sous le chat. Et agrandir le browser. On peut tester. Oula. T'es obligé de faire ça. Hein. Ça. Ouais, le problème, c'est que je peux pas grandir trop en hauteur. Parce qu'en fait, je partage le bureau actuellement. C'est partie des raisons pour lesquelles il faut que je change de... Si je fais ça, ouais, je peux mettre un bout de navigateur derrière le chat. Voilà, ça permet de rendre un peu plus lisible, effectivement. On bricole un peu, hein. Ouais, non, c'est pas une capture de fenêtre.
Parce que je n'utilise pas une version de Windows conventionnelle, un Windows 10 LTSC, et qui est bloqué sur une révision de Windows 10 de 2018. Et pour capturer le bureau, pour capturer la fenêtre comme il faut, il me faut une version après 19.03. Et en vrai, du coup, comme je me... Alors, il est déjà emballé dans le... Ouais, c'est déjà emballé dans le sac à dos, donc tant pis. J'ai l'installation de Windows 11 qui vient avec le microserveur que je vais transférer. En fait, je vais l'utiliser tel quel. Je vais la tester sur le PC de jeu. Bon, bah, comme je vais passer directement à Windows 11. Voilà. Je vais attendre ça. Je pourrais éventuellement changer à ce moment-là. Le problème, c'est que je, de toute façon, c'est que j'ai quand même un grand bureau. Puisque je partage un écran 27 pouces, 2560 par 1440. Je fais déjà du rescale en 1080 pour balancer. Du coup, de toute façon, tout reste petit. Si je mets le texte trop gros, après, moi, je vois plus rien. Puis il n'y a pas grand-chose comme info à l'écran. C'est vrai qu'on pourrait monter à 130%, un peu de choses près, sur à peu près tous les... Alors non, j'avais pas besoin de passer à 130. Je sais pas pourquoi il m'a pas... Alors là, il a accepté de me passer à 130. Là, il m'a passé à 133. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bon, voilà. Mais oui, je sais que ça peut poser du... Mais c'est vrai que là, c'est déjà un peu moins dégueulasse pour vous. Bon, par contre, faut que... Ouais, là, ça va, je bloque pas trop de trucs encore. Et c'est vrai qu'avec l'heure sous le chat, j'ai pas pensé à ça. Effectivement. Merci beaucoup. Donc, et du coup, il va falloir que je bidouille toutes les autres scènes pour remettre tout ça à la même place. Oh, je verrai ça plus tard. Bah, donc voilà. Il y a des chances que je fasse un sondage Twitter et ou Mastodon pour poser la question du prochain sujet. On verra bien. Il y a même des chances que je remplisse d'autres notes là en attendant. Ça, je vais pas encore le foutre dans les archives parce que j'aimerais bien torcher cette histoire de Debian. Ah tiens, tu m'as parlé de Packer tout à l'heure, du coup ça me trigger. J'ai quasiment jamais utilisé Packer. Ce sera l'occasion de se mettre les mains dedans vraiment une fois pour toutes. Et si on peut le faire sur Proxmox? Pourquoi pas? Voilà. Sur ce, je suis complètement éclaté. Et en plus, il faut que je termine encore ma valise et tout. Oh. Ou alors, je sens que je vais partir un peu plus tard demain. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec moi. J'espère que ça vous aura suffisamment intéressé. Et puis... Alors, je vais pas me souhaiter de bonnes vacances, ce serait un peu gonflé quand même. Et on se revoit dans... Alors... Dans 3 semaines, je serai encore en vacances. Si je suis rentré chez moi, il y aura peut-être live. Sinon, ce sera dans 4 semaines. Voilà. Ou alors, si j'arrive à faire crasher les tripes de mon laptop, je ferai peut-être un petit live improvisé pendant mes vacances. Il n'y a rien de moins sûr. Parce que là, j'ai beau embarquer une webcam, pas grand-chose. Le laptop, il est déjà un peu en tension. Là, déjà, je lui ai donné un peu d'air en le passant à 16 Go de RAM, mais il a vraiment mal de partout. Il va avoir. C'est quand je l'ai démonté pour changer la RAM.
Il y avait marqué décembre 2015 sur le décembre 2015 sur la carte mère. Donc ouais, il commence à sentir son âge. Mais il a un bon moteur d'encodage. Donc il doit y avoir moyen de faire un peu de Twitch. Qu'à se mettre 4 semaines sans moi, que va-t-on faire? Ouf, te connaissant, tu t'embêteras pas. Tu trouveras largement de quoi faire. Donc, et de quoi regarder. Du coup, allez, j'ai dit j'arrête tôt. Et puis là, 2h30. On n'a jamais fait plus long. Au moins du Proxmox maintenant. Et ouais. Et du coup. Et cette fois, je vais pas oublier d'aller récupérer. Je l'ai pas enregistré. Tant pis. J'ai pas tenté. Mais je récupérerai le live de Twitch pour le mettre sur YouTube. Enfin, je me ferai pas avoir. J'ai perdu le WP Cli et ça, je vous cache pas que ça m'embête un petit peu. Même si c'était pas. Il y avait quelques succès dedans. Puisque mon blog est quand même bien plus à jour qu'avant et j'ai plus de spam sur les commentaires et tout. Enfin voilà. Et ça, je suis un peu dégoûté. En fait, j'ai été un peu trahi par l'interface de Twitch qui dit oui, ça peut rester jusqu'à 60 jours. Puis au final, il supprime au bout d'une semaine. Ou 15 jours. Du coup, j'ai pas eu le temps de le récupérer. Je me suis fait avoir. Tant pis. Sur ce, bonne nuitée, bon week-end. Et à la prochaine. Ciao, ciao.